Zantray l'Afrique yo, nous sorti loin. Depuis nan Guinée, nous tout congolé. Enfants l'Afrique yo, pays nous loin. Depuis Dahomey, nous tout congolé. Rive ici tôt, ça pas pour ça. Journée jodi à la vie changé oh figuier ma pouyo repose à loyo yo tout congolé pas pouvoir papa loco atissou qui ba nous pouvoir pour recevoir et puis partager parole sacrée divinité yo ak permission atibon legba qui l'ouvri chemin pour nous apprendre recevoir loyo ak l'esprit ancêt yo. Sous direction papa Dambala Kaida Wedo, qui ba nous intelligence pour comprendre science la vie. Et dans nos toutes ancêtres nous, qui te préparé chemin liberté, nous dit aïe bobo. Au nom maman papa Guinée, à toute petite lion, côté non aller la ville au camp, côté terre, ciel là, dit fait, pied boyo, de l'eau salée, de l'eau sauce, à toutes ancêtres nous, à l'ada, aïe bobo pour noyau, ça va louer, ça va louer, ça va louer. Yo enchaîne moi, ap mene malé, en bas de l'eau m'boile. En bas de l'eau m'boile, en bas de l'eau m'boile. Yo enchaîne moi, ap mene malé, en bas de l'eau m'boile. Que j'avais besoin de comprendre la connexion entre le vaudou de la déportation et le vaudou d'origine. Nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous avons su, à travers les rituels du Kanzo, préserver l'essentiel des rites endogènes depuis Kama. Et j'apprends encore, parce que je dois comprendre comment nos grands-parents percevaient les énergies de l'eau et de l'air. Pour moi, c'est d'abord ça qui nous a accompagnés. Ce sont d'abord ces énergies. Quand nous avons été arrachés de notre terre, l'Afrique, eh bien, il y avait l'eau qui nous a transportés en fond de cale négrier et l'air qui a poussé les voiles de ces navires négriers jusqu'à des terres comme Martinique, Haïti, Guadeloupe et autres, et où nous avons pris racine. Où nous devons, puisque nous avons pris racine dans ces espaces, développer notre vaudou hérité de nos ancêtres, mais d'une autre manière, beaucoup plus forte, beaucoup plus libératrice. Nous devons comprendre que le vaudou de la déportation a cette force, cette puissance pour réclamer la terre de nos ancêtres plus récents. Dans cette terre où nous avons été déportés, nous sommes chez nous. Et puisque nous sommes chez nous, nous devons faire tout ce qu'il faut, déjà pour réclamer notre identité, et ensuite notre terre, nos espaces. Pour ce faire, nous devons apprendre à connecter avec les énergies de la terre, pour qu'elles puissent nous nourrir, pour qu'on puisse apprendre à avoir nos jardins bokai qui ont disparu, nos espaces rituels sacrés dans les forêts, pour réapprendre à connaître nos feuilles sacrées qui nous nourrissent et qui nous guérissent. Ce sont des forces qui nous permettent de nous libérer, de nous reconnecter à nos ancêtres. Et nous sommes de partout à Kama. Nous avons été, je crois, sélectionnés par les colons de façon à partir avec les plus forts, armés de leur identité. Eh bien, dépouillés de tout, nous sommes partis avec nos divinités qui sont devenues des lois. Je me présente souvent comme praticienne des cultes endogènes. Ça fait moins peur que vaudou. Ça fait moins peur que d'expliquer que je suis une pratiquante des cultes de mes ancêtres. Et de ce fait, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin des feuilles, de la terre, de l'air, de l'eau des rivières comme l'eau de la mer. Pour guérir, soigner, accompagner, sacrer
bénir, demander pardon, parce que nous avons beaucoup, beaucoup offensé nos ancêtres à travers notre déni de soi. Il y a énormément de mépris entre nous, il y a énormément de mésentente, d'incompréhension. Martinique n'est pas vouloir haïtien, haïtien a critiqué guadeloupéen, etc. Donc, il est temps que nous, les enfants des plus forts, les enfants de ces rois, de ces reines, de ces grands prêtres, grandes prêtresses qui ont quitté Kama, forcés, enchaînés, asservis, dénués de toute leur identité. Nous sommes partis nus, couchés, mais nous revenons vers Kama, debout. Nous reprenons force dans notre identité, dans la redécouverte de notre identité et dans la reconnexion avec nos ancêtres. Et ça, ce sont des outils qui nous permettront éventuellement, comme Haïti l'a déjà fait, de réclamer notre liberté. Nous sommes cousins, cousines. Non pas des ennemis, non pas différents, non pas supérieurs les uns aux autres, mais de la même famille, de la même souche, de la même origine, mais dispersés à travers le commerce de l'esclavage, dispersés à travers l'esclavage mental qui se construit encore malheureusement. Et il faut se défaire de toutes ces chaînes. Nous avons réussi physiquement. Continuons maintenant à travailler sur nos chaînes mentales. Mon travail, c'est ça en fait, c'est vous faire prendre conscience, comme moi j'ai pris conscience éventuellement que dans ce troisième millénaire, nous devons nous reconnecter. Être ici encore aujourd'hui car nous sommes, je vous le redis, les descendants des plus forts. Mais la bataille n'est pas terminée. Je pense que tout un chacun doit faire comprendre la liberté qu'il y a à travers la connexion avec Maman de l'eau pour la Martinique ou les Mami Wata. Faire comprendre l'énergie du feu, Shango, Ogou. Faire comprendre l'énergie de la terre, Sakpata ou Cousin Zaka. Connexion à travers ces quatre éléments, de l'équilibre que nous devons acquérir par la compréhension de ces énergies. Ne vous en déplaise, quand on a mal joué avec les éléments, quand on les a mal déplacés, évidemment, il y a des conséquences. Nous devons nous reconnecter d'abord à la terre, cette mère nourricière qui nous accompagnera dans nos combats. Et ensuite, l'énergie de l'air, cette puissance de l'air, du vent, de la parole sacrée, qui voyage au-delà du temps, qui n'est pas linéaire, bien sûr. Donc, nos ancêtres peuvent nous parler encore à travers le souffle du vent. Grâce à délivrance au soufflé au pays pour toutes anges dans l'air nous demander grâce 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 nous demander grâce pour toutes anges dans terre nous demander grâce 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 nous m'en dégrasso.